La volonté de Dieu, ce n'est pas qu'on lève les mains et qu'on le chante à l'église et qu'on se prosterne. Dieu n'est pas content pour ça. Dieu est content lorsque dehors dans le monde, les gens respectent Jésus. Des gens qui ont méprisé Jésus, des gens qui ont méprisé Dieu, comme Nabucodonosor qui s'est pris pour Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'une fois qu'ils sont humiliés, Dieu les humilie et dans sa miséricorde, il les relève et il les oblige à changer de verdict et à reconnaître qu'eux ne sont pas Dieu et qu'un seul est Dieu. On l'appelle le Seigneur, l'Éternel. Dans la nouvelle alliance, c'est Dieu le Père, c'est le Fils, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus le Christ. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'on a eu une magnifique cérémonie d'inauguration d'ouverture des Jeux Olympiques qui est bien dans le fond, bien dans beaucoup de choses, le dynamisme, l'innovation, mais où ils ont introduit des séquences de très très mauvais goût, des séquences que certains ont qualifiées de sordides, d'abominables, mais nous on va dire ils ont introduit un message spirituel. Ils ont introduit des valeurs idéologiques dans une fête dédiée au sport. Comme quoi les temps sont vraiment mauvais. Alors vous savez, ils ont introduit des messages à connotation spirituelle. Avant d'arriver à cette photo que vous voyez là, ils ont introduit des messages sur l'amour. Nous on prêche l'amour de Dieu, eux ils ont prêché le polyamour, l'amour de Adam envers Steve, où on s'enferme pas à deux maintenant, à peut-être à trois, à quatre, à multiplier. Ils ont véhiculé beaucoup de messages. En fait, ils ont profité d'un événement mondial regardé par le monde entier, les Asiatiques, toutes les religions, les athées, tout le monde, les musulmans, tout le monde, les bouddhistes, pour véhiculer un message qui a dérangé beaucoup de gens au point que beaucoup ont pris position. Parce que j'étais indigné. Et je vais te dire une chose. Si tu n'es pas indigné, lorsque celui que tu transportes est déshonoré, méprisé et insulté, tu n'as pas le droit de chanter la chanson que je viens de chanter. La chanson que je viens de chanter, c'est une chanson qui dit méprisez-le. Mais je vous annonce que du lever du soleil jusqu'à son couchant, le nom de Jésus sera souverainement élevé en France, en Europe et sur toute la terre. Votre temps, Jésus a déjà gagné et il sera le seul roi souverainement élevé. Vous perdez votre temps. Au cours de cette magnifique cérémonie, ils l'ont gâché en introduisant des messages. Les enfants étaient connectés. Les enfants ont vu des travestis qui s'appellent drag queen se moquer de la Seine-Seine. Et vous savez que se moquer de la Seine-Seine, c'est se moquer du corps et du sang de Christ. Se moquer de la Seine-Seine, c'est se moquer par conséquent de la vie éternelle. Parce que Jésus a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Se moquer de la Seine-Seine, c'est se moquer du salut. En fait, vous avez des gens qui ont fait un doigt d'honneur à Jésus le Christ. Moi, alors personnellement, beaucoup ont été indignés. C'est vrai que je me suis senti indigné et beaucoup ont s'est senti indigné quand on a compris la scène. Mais en même temps, en fait, vous savez, il y a des actes que les gens posent, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Vous avez réveillé en nous la détermination. Enfin, elle était déjà là. Mais une détermination à évangéliser. Bien-aimé, écoute-moi. Je parle à chacun d'entre nous connectés au son de ma voix. Je parle à la francophonie, je parle aux extrémités de la terre. J'ai été quand même impressionné par le culot, l'audace. Il n'y avait rien d'accidentel, il n'y avait rien de hasardeux. Tout était planifié et ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient le message qu'ils délivraient. Il y en a qui disent non, on est désolé. Non. Il y a un drag queen qui a dit notre intention n'était pas de blesser. D'accord, n'était pas d'offenser. Mais vous avez quand même offensé plus de 2 milliards de chrétiens. C'est pas grave. Nous, on est miséricordieux et on pardonne. Mais comme on pardonne là, on est ensemble. On va pardonner. Mais, écoutez-moi. Regardez le zèle, la détermination, l'importunité. Les gars, ils n'ont même pas honte. Ils savent que 2 milliards de chrétiens seront offensés. Ils savent que des milliards de musulmans, d'hindous,
seront choqués de ce qu'on ait de figurer un événement sportif, mais ils font la danse et puis ils dansent, ils sont contents. Si à partir d'aujourd'hui, toi tu es timide pour annoncer l'évangile, non, je suis désolé. Ils ont montré qu'ils n'ont pas honte. Nous allons leur montrer qu'on n'a pas honte de l'évangile. On n'a pas honte de publier Jésus. Et s'il y en a qui sont dérangés, écoute-moi, hein, si dans le bus, il y en a qui sont dérangés, dans les transports, qui sont dérangés, moi aussi on m'a dérangé pendant les JO, je vais déranger par mon prix, je vais déranger par mon sel, je vais proclamer Jésus. Donne amen. Donc je vous dis, hein, je vous préviens, ICC, on était déjà en train d'évangéliser. Maintenant, tous les jours, on va sortir. Et la France sera sauvée. En fait, vous savez, ce que vous avez vu pendant les JO, c'était bien, la cérémonie était magnifique, franchement, elle était magnifique. Mais les incrustations de messages spirituels, là, c'était pas bon. C'était un mépris, mais c'est pas grave. Ce qu'ils ont fait là, en vérité, c'est juste cette parade-là, cette parodie-là, cette moquerie-là, cette insulte-là, ce mépris-là. C'est juste un avant-goût de ce qui va se passer sur la terre lorsque le règne de l'Antéchrist va arriver. C'est pour ça que ce n'est pas la peine d'être offensé. Parce que de toutes les manières, c'est juste un avant-goût. Tu vois? Parce que quand l'Antéchrist va établir son gouvernement mondial sur la terre, ce sont les hommes qui auront rejeté Jésus qui vont faire ce qu'une poignée a fait. Ils vont le mépriser et ils vont faire un doigt d'honneur à Jésus. Mais la Bible dit on ne se moque pas de Dieu. D'ailleurs, comme ils se sont moqués, ils avaient planifié un événement. On ne peut pas faire un événement comme ça là sans contrôler le ciel. C'est occulte. Hein? Cette cérémonie était sportive et occulte. C'était occulte. Mais ils ne peuvent pas faire ça sans contrôler. Ils ont appelé un jour aussi important, il ne doit pas pleuvoir. Et Dieu leur a donné juste un petit clin d'œil. Juste pour vous dire. Bon, en fait, vous savez, Dieu est amour. Quelque chose que les hommes font, il restera amour. Mais là, on fait un petit clin d'œil, allez, vous avez prévu, je vais avoir de la pluie. Ce sont les deux seuls jours, hier et avant-hier, le jour de l'inauguration, ce sont les deux seuls jours où la météo est devenue automnale. Ils avaient fait des plans, Dieu a dit, je vais vous envoyer un peu la pluie, allez, prenez ça un peu. Et puis du coup, il a dérangé. Mais il reste amour, hein? Il reste miséricordieux, il reste bon, il reste loin de la colère. Mais il dit, allez, prenez un peu de flotte. Et puis après, ils sont obligés de trouver des mots. Mais ça veut dire que toutes les dominations qui se sont coalisées n'ont pas réussi à empêcher la pluie. Ils n'ont pas réussi à... Mais je tiens à dire quand même à ceux qui méprisent Jésus, à ceux qui font ça intentionnellement, en fait, nous on se sent désolés parce que vous n'avez qu'une partie de l'histoire. Vous ne connaissez pas la suite de l'histoire. Hein? Vous savez, ils font ça parce que ils ont vu la scène où l'Antéchrist va gouverner sur la terre et où les gens vont insulter Dieu. Mais ce qui est terrible, c'est qu'ils n'ont pas vu la fin du film. Nous, on connaît la fin du film. La fin du film a déjà eu lieu. Dans l'invisible, c'est fini. Satan a été vaincu. Les ténèbres ont été vaincues. Les ténèbres ont échoué lamentablement. On connaît la fin du film. La fin du film, c'est que le règne de l'Antéchrist va durer 7 ans. Et 3 ans et demi, il sera à l'apogée. Et la bête sera adorée. Et il sera à l'apogée de sa puissance. Mais après les 3 ans et demi, Jésus reviendra chercher l'église. Non, pardon. Jésus reviendra plutôt pas chercher l'église. L'église aurait été enlevée avant. Dis amen. Hein? Mais après les 3 ans et demi, Jésus va venir. Il va y avoir la bataille d'Amageddon, le jugement des nations et les pieds du Seigneur. Nous, on connaît l'histoire. Vont se poser sur le mont des Oliviers. Il viendra avec tous les saints de tous les temps. Et ceux qui se sont moqués de lui vont se lamenter. Ils vont dire, oh mon Dieu, je n'avais pas choisi la bonne part. On ne m'a pas dit, on ne m'a pas donné la suite. On ne t'a pas donné la suite de l'histoire. Tu n'avais... L'histoire ne s'arrête pas au règne de l'Antéchrist. Après le règne de l'Antéchrist, il y a le retour de Jésus. On appelle ça la parousia, l'avènement du Seigneur. Oh, il y a les noces de l'agneau. Il y a le jugement de Satan. Il y a le millénium. Il y a le jugement définitif de Satan. Il y a les nouveaux cieux, la nouvelle terre où la gloire de Dieu va habiter. Tout ça, c'est programmé déjà. Alors moi j'ai compassion
pour ceux qu'on incite à se moquer de Jésus et qui ne savent pas que Jésus a tout accompli, que l'histoire de l'humanité est déjà finie. Tu es venu en retard. Toi, tu t'arrêtes à une scène où tu vois Satan en train de lever les mains, en train d'être glorifié sur la terre. Mais c'est pas là. Ce n'est qu'une séquence du film. Il y a une autre partie. Le film n'était pas fini. Alors, on a compassion. Voilà pourquoi ces gens-là, il faut aller les évangéliser. Il faut aller leur annoncer l'amour de Dieu. Et parmi eux, il y en a qui vont rejeter. Et d'autres, hein, dedans là, il y en a qui seront sauvés. Voilà pourquoi on n'est pas offensé. On est désolé, consterné parce que des enfants ont été exposés à ça. Mais ce n'est pas grave, on pardonne. Mais vous avez intensifié notre zèle pour évangéliser la France, pour évangéliser l'Europe. Et parce que nous connaissons la fin du film, nous déclarons et décrétons que Jésus sera, la France sera sauvée. Jésus sera glorifié dans ce pays et tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle croiront au nom de Jésus. C'est ça qui s'accomplira au nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié.